décidé de ne pas en faire une fois ou... Non, non, moi je n'ai rien décidé du tout parce que je mène une fois l'origine, je promets. Mais la série originelle n'a pas de chose. Oui, j'ai regardé un peu qui s'appelle d'ailleurs On Analysis. Exactement. Ça fait une différence. Je sais pas, c'est bon. Deux minutes encore. Okay. J'ai le matelas. Alors, est-ce que voilà, tout le monde m'entend, ça marche? Est-ce que c'est bon? Voilà, parfait. Bienvenue à tous dans cet auditorium. On est ravis de vous voir si nombreux pour ces rendez-vous de l'actu. On est également ravis d'accueillir Agnès Jaoui, qui nous fait le plaisir de venir nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, le tournage de la série En Thérapie. Et à côté de moi, j'ai également Marie-Jean Sauret, qui est professeure et qui était professeur de psychopathologie clinique à l'Université Toulouse de Lemirail et qui est psychanalyste. Alors on a organisé cette table ronde, ce petit débat, dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, puisque c'est quelque chose d'actualité et que c'est un rendez-vous de l'actu. Et donc je vous propose d'en savoir un petit peu plus avec Pascal qui va nous présenter ces semaines. Ça va. Je veux pas vous. Oui, je me permets de prendre la parole au nom de Patricia Bèze, l'adjointe au maire en charge de la santé, qui ne peut pas être présente ce soir pour raison de Covid. ça arrive. La mairie, qui préside le conseil local de santé mentale de Toulouse, est très honorée de la présence d'Agnès Jaoui pour cette rencontre. Cette soirée vient clôturer deux semaines d'événements grand public autour de la santé mentale, qui ont comme objectif de créer des espaces de discussion, de réflexion autour de ce sujet, de participer à la déstigmatisation, mais aussi à mieux faire connaître les ressources existantes, notamment les ressources locales. À Toulouse, ce programme est construit avec une trentaine de partenaires, des associations de personnes concernées par la maladie, des familles, des associations de familles ou de proches, des structures médico-sociales ou des structures de soins, et aussi des institutions. Ce programme est soutenu financièrement par l'Agence régionale de santé Occitanie et la mairie de Toulouse. Il faut savoir qu'il y a des événements similaires qui se déroulent partout en France à la même période. Donc ça s'appelle les semaines d'information sur la santé mentale. Nous remercions donc chaleureusement la médiathèque José Cabanis, la Cinémathèque de Toulouse et Marie-Laure Brinzorgueil pour la construction de cette soirée, mais aussi et surtout Marie-Jean Sauret et Agnès Jaoui qui ont bien voulu accepter notre invitation dont le point de départ était donc la série En Thérapie. Merci. Alors merci pour cette introduction. Alors on a choisi d'intituler cette soirée Tous en thérapie suite à la diffusion de la saison 2 qui s'interrogeait sur l'état un petit peu de la société après le passage du Covid et surtout des épisodes de confinement, de couvre-feu et de restrictions. Et donc on a voulu s'interroger sur cette thématique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le docteur Darion, il incarne depuis deux saisons le thérapeute dont beaucoup rêvent de soutenir le regard le temps d'une séance. On va essayer de se demander si cette série, elle est réelle, elle est réaliste, si en fait, elle illustre la réalité de la psychanalyse. Et pour ça, je voudrais avoir votre avis d'abord, pour démarrer, Marie-Jean, pour savoir ce que vous en avez pensé, vous, en tant que praticien, puisque vous avez une longue carrière derrière vous sur le sujet. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vous qui commenciez à répondre, puisqu'au fond, vous avez une expérience à la fois comme réalisatrice, mais aussi de ce côté-là. Non, moi, je dois dire que... Bon, je vais d'abord dire que j'étais inquiet à l'idée du projet. Je n'avais pas regardé les saisons en anglais. Et parce que je me dis tout simplement que l'inconscient, ça ne se filme pas. Mais ce que j'ai trouvé assez génial... Ça ne se filme pas, ça veut dire qu'on ressort quand même avec l'idée qu'il y a des processus inconscients, mais les acteurs les jouent.
Donc il faut qu'il parle à la place des processus que dans une séance on ne voit pas, ou qu'on ne voit pas entre les séances. De ce point de vue-là, enfin il y a d'autres points de vue, mais ça c'est réussi. Alors après il y a une autre question, beaucoup de collègues ont trouvé que c'était très bavard du point de vue de la psychanalyse, mais c'est inéluctable. C'est pas retenu contre la Syrie. Donc après, il pose des tas de questions sur lesquelles on peut s'interroger. La confiance, le transfert, je sais pas, les actes manqués, la question de la responsabilité avec la fameuse histoire d'Aden, bon, enfin, etc. Je sais pas si ça suffit. Comment vous avez abordé cela quand on vous a proposé de tourner les épisodes du lundi? Comment vous êtes projeté pour justement essayer de filmer l'invisible, en tout cas l'inconscient? Je crois que vous avez votre micro juste ici. Oui, c'est vrai. Bonjour, bonsoir. En fait, ça fait longtemps, moi, que je pense que une bonne séance d'analyse. Alors, en effet, alors il se trouve que ma mère était psychothérapeute et qu'elle se servait d'un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Et que je l'ai suivi dans beaucoup de congrès, et très tôt j'ai eu la chance de participer à des thérapies de groupe, en fait, voilà, et donc très jeune, de voir une femme de 50 ans s'écrouler en larmes ou expliquer, ou enfin voilà, j'ai vu des adultes, j'ai vu les faiblesses des adultes relativement tôt, et ce qu'il y avait derrière les façades assez vite, et c'était très bouleversant et très passionnant. Et puis après, moi-même, j'ai fait une analyse, enfin une thérapie pendant très longtemps, et puis j'en refais maintenant, parce que moi, je considère ça comme une gymnastique personnelle, et que je pense que c'est aussi important que, oui, de faire travailler son corps quand on peut, de faire travailler son esprit et sa tête et son inconscient avec quelqu'un qui vous aide à ça. Mais bon, peu importe. Et donc, en tout cas, très vite, je me suis dit que c'était un scénario parfait, une bonne séance de thérapie, parce qu'il y en a qui sont évidemment assez, comment dire, bah, où il ne se passe pas grand-chose, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et qui ne sont pas très spectaculaires, et évidemment qu'elles ont beaucoup plus de silence que dans le film, dans la série. Mais quand c'est une bonne séance de thérapie, et tout le travail thérapeutique est pour moi exactement comme un grand film policier, puisque vous arrivez avec la sensation qu'il y a un crime, en tout cas qu'il y a quelque chose de grave qui a été fait, qui a été commis, et vous avez l'impression au départ que c'est votre mère la coupable, au hasard, et puis, que votre frère c'est le gentil, que votre papa c'est le... Enfin bon, bref, vous avez toute votre galerie de portraits, et au fur et à mesure, on va se rendre compte que finalement, le coupable n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et que la responsabilité est souvent aussi très partagée. Et ça, c'est passionnant. Et ce qui est passionnant aussi, c'est ces moments de prise de conscience. Enfin, ces moments trop rares dans la vie, mais qui existent, où on est... tout d'un coup, on comprend quelque chose, en fait. On change de point de vue. On découvre quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. Et ça, c'est tout ce que je trouve absolument passionnant dans le travail thérapeutique, et passionnant au cinéma ou dans la fiction, quand on arrive à faire ressentir ce moment où on est incroyablement vivant, en fait, et incroyablement enrichi, parce que on a pu changer nos ornières, nos préjugés, et s'ouvrir à autre chose. Donc ça faisait longtemps que je pensais ça, et d'ailleurs Hitchcock s'en est servi dans La maison du docteur Edwards, il y a des séances de thérapie, Woody Allen s'en est évidemment servi, enfin il y a eu souvent dans des films des séances de thérapie, alors évidemment filmées de façon beaucoup plus courte. Bref, après j'ai pas vu la série israélienne qui est donc la base, enfin la série originelle, mais j'ai vu la série américaine qui m'avait plu, et j'étais très heureuse qu'on me propose de travailler là-dessus pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Alors, je rebondis sur l'une des termes que vous avez employé. Vous avez l'impression de mener une enquête quand vous démarrez une analyse avec un analysant, c'est comme ça qu'on dit. Pas...
Pas exactement, mais enfin bon, c'est... Mais pour la petite histoire, là, je suis en train de préparer un petit ouvrage. Moi, je ne vais pas faire de la pub pour moi, mais je l'ai sous-titré « Roman policier ». Ah. Parce que... Une préface, peut-être. Bon, parce que c'est sur un cas de Freud. Bon, mais à force de le reprendre, on s'aperçoit que, en faisant bouger la configuration, en effet, l'os n'est pas là où on croit. Après, il y a un aspect qui est tout à fait intéressant, mais que je trouve la série arrive à montrer, c'est que parler, sous cette condition-là, du transfert, d'une écoute, ça permet de dénouer les choses. C'est quand même ça le plus étonnant. Et je me demande si le succès, donc je botte en touche, hein, si le succès de la série ne tient pas pour une partie au fait que dans notre société, il n'y a pas de place pour cette dimension de l'écoute, du singulier, de la parole, tous les discours officiels de l'université aux politiques de santé traitent celui qui ne va pas bien comme s'il était tributaire d'une maladie qu'objectivement on va traiter, mais on ne l'écoute pas. Donc cette dimension d'écoute, mais c'est lui qui est l'enquêteur, qui part en quête de l'os qui fait que les solutions qu'il s'est données pour habiter le monde avec nous, il en souffre. Donc c'est cette enquête-là, on l'accompagne. Si je prends, parce que vous expliquez que vous avez on peut être malade. Est-ce qu'on est forcément malade, voilà, c'est ce que je veux dire, quand on va pousser la porte d'un psy? Est-ce qu'on est forcément malade? Précisément, ça, c'est un des gros problèmes. C'est que bon, l'OMS, par exemple, vient de sortir aujourd'hui, ou cette semaine-là, un rapport sur, grosso modo, l'enfance et l'adolescence, en disant que, ça y est, il y a une augmentation de 21% des troubles. Je ne sais pas comment ils font les statistiques, mais il y a une augmentation des neuropathies, il y a une augmentation des dépressions et de leurs conséquences, c'est-à-dire une augmentation des suicides. Mais je ne crois pas qu'on fasse une analyse parce qu'on va très mal. On peut y aller parce qu'on va très mal. Mais on y va, qu'on aille bien, parce qu'on connaît tous des gens qui vont très mal, qui ne feront jamais une analyse, qui se tiennent debout et qui marchent droit dans l'existence. Et puis, il y en a d'autres, ils ont un caillou dans la chaussure et ils ne peuvent pas marcher. Mais avec un caillou dans la chaussure, on ne peut pas marcher. Donc, je crois qu'on fait une analyse quand on a le sentiment de ne pas tirer de sa vie exactement ce qu'on peut en tirer, qu'on marche un peu à côté de ses pompes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à côté des modalités de fonctionnement qui, dans d'autres discours, seront taxées de ceci ou de cela. Mais que vous soyez, que vous soyez fou, que vous ne soyez pas fou, même fou, des fois je me dis que je suis fou, bon, je dis ça pour tempérer le mot, mais on n'est pas dispensé de donner un sens à sa vie, de s'expliquer avec sa vie, d'essayer de s'y loger, de vivre mieux avec les autres. Donc la psychanalyse, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'on est en plus tous plus ou moins fous et puis qu'il y a des fous qui sont présidents de la République, quoi. Et donc, ça n'empêche pas du tout de réussir socialement. Il y a des gens bien portants qui ont moins de réussite. Donc, ça n'a pas. Il y a des folies avec lesquelles on peut vivre ou pas. Mais par exemple, bien que fille de psychanalyste, ou peut-être parce que j'étais fille de psychothérapeute, j'avais peur, comme beaucoup, d'aller voir un psychanalyste et j'avais peur. D'avouer du coup publiquement que j'allais pas bien. Enfin voilà, il y avait quelque chose de comme une preuve de faiblesse ou j'avais besoin d'aide. En fait, plein de choses comme ça. Enfin, il y a mille résistances au fait d'aller faire un travail sur soi. Et bon, et c'est parce que j'ai vu un documentaire sur des athlètes de haut niveau, mais qui le jour J ne sautaient pas le centimètre qu'ils sautaient d'habitude au-dessus, donc ils bloquaient ou qui n'arrivaient jamais à. Enfin voilà, ils se rendaient compte qu'ils avaient des blocages ici ou là et qui n'étaient pas physiques, physiologiques. Et grâce au travail thérapeutique,
ils arrivaient éventuellement à se dépasser ou à aller à atteindre leurs objectifs et à comprendre ou à comprendre pourquoi ils ne les atteignaient pas. Et le fait de me dire, ah, mais en fait, on peut aussi aller voir quelqu'un pour aller mieux, pas parce qu'on va si mal, et d'ailleurs, je pense qu'on va moins mal à partir du moment où on a déjà décidé d'aller voir quelqu'un, et ben, ça m'a beaucoup aidé à faire ce pas. Et je trouve qu'il y a autre chose qui fait que d'ailleurs, donc régulièrement, moi je retourne voir quelqu'un, pas forcément la même personne, c'est quand on sent qu'on est dans la répétition d'un schéma et d'un schéma qui ne nous fait pas du bien. Quoi. Et qu'on n'en sort pas et que bah, à chaque fois, soit avec un amoureux, soit avec un travail, soit avec ses enfants, bah, on retombe dans un mécanisme qui est nocif ou qui est ou surtout on est agi en fait c'est pas nous qui voilà et je trouve que c'est aussi des raisons intéressantes pour aller voir des thérapeutes. Est-ce que ça explique le succès de la série, c'est-à-dire que vous avez évoqué ce qui est un tabou encore dans certaines familles, certains milieux d'aller voir un psy. Est-ce que le fait de voir et d'assister à une analyse, c'est une façon aussi pour les spectateurs de se soigner ou en tout cas de s'interroger eux-mêmes? Est-ce que vous avez ce questionnement-là? Oui, je pense que tout le monde a pu se reconnaître ici et là, et puis qu'il y a un côté complètement voyeuriste aussi, il faut quand même le dire, dans cette série, et c'est qu'on a envie, ils osent tout, comme en thérapie, enfin, il y a une sincérité plus ou moins obligée, ou en tout cas une confrontation quand l'autre est insincère ou quand il est plein de défense, et on est tous très voyeurs et ça fait partie, et donc on a envie de voir comment l'un ou l'autre va réagir et comment aussi le psy va trouver une réponse. Très souvent, moi-même, j'attendais la réponse. Il est coincé, comment est-ce qu'il va pouvoir faire? Et puis, il y arrive ou pas. C'est un être humain. Vous êtes un être humain. Vous n'avez pas toujours la réponse non plus. Vous n'avez pas toujours la réponse, non, jamais. J'ai presque envie de dire jamais, d'un certain point de vue. Mais pourquoi? Parce que, mais je ne sais pas comment dire ça. Hélas, j'ai été prof. Pourquoi hélas? Mais du fait même, on est malade parce qu'on parle. C'est à la fois ce qui fait que on est des êtres sociaux, de relations, etc. Mais parler, ça nous oblige à nous poser la question de ce qu'on est. Bon, c'est la question existentielle par excellence, mais il n'y a pas de réponse scientifique à cette question. Il n'y a rien à faire. Le savoir scientifique, il va dire comment on fonctionne. Même notre cerveau, il peut dire comment il fonctionne, mais il ne dit pas ce qu'on en fait. Et quand on se pose la question de ce qu'on est, la réponse qu'on va se donner... C'est toujours une réponse, c'est un être de mots qu'on se donne. Mais même nos noms et nos prénoms, notre nom, on le tient de nos parents. Le prénom, moi le mien, je ne l'ai pas choisi. Il m'arrive de dire, je disais à ma mère, parce que lui ce serait difficile, mais que sûrement elle n'était pas là quand je suis né, parce qu'elle n'aurait pas laissé faire. ça avait ce côté-là, mais... Aujourd'hui, je suis très content de porter ce prénom, par contre. La psychanalyse va réconcilier avec ça, et puis un certain borgne aussi. Ça y a fait. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que, quelles que soient les réponses qu'on se donne, le réel de ce qu'on est n'y est pas. Donc, et c'est quoi le réel de ce qu'on est? Donc, on essaye de, quand même, on n'est pas des êtres virtuels, on n'est pas que des mots qu'on pourrait, comme ça, loger dans un ordinateur, un cochon des cages. Il y a un bout de réel, il y a du corps, il y a. C'est quoi et comment on l'attrape? Nos symptômes, ils sont là. Ils sont à cette articulation. Et c'est ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait des identifications, des identités qu'on s'est données. Elles sont toujours ouvertes. Et on court derrière jusqu'à ce qu'on arrive à accoucher de ce point qui fait qu'on sait qu'il n'y a pas de réponse dans l'autre. Parce que l'analyse, elle apprend, je trouve que c'est très juste ce que vous dites, on peut repérer ce qui se répète. Parce qu'on le répète, on ne le repère pas toujours. Mais à dire vrai, moi, quand je reçois quelqu'un, je le reçois avec l'idée qu'un jour, il ne viendra plus. J'ai cette idée. Mais pour qu'il ne vienne plus, il faut arriver à ce qui touche à ce point qui fait que, d'un certain point de vue, il est soulagé
de ne rien avoir à attendre de l'autre sur ce point. Mais beaucoup sur la solidarité, sur tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on doit inventer ensemble pour habiter le monde. Enfin, c'est un peu les... Tout à l'heure, Marie-Jean, du coup, je rappelle votre prénom. vous avez, y a deux termes qui m'ont interpellé. Vous dites, je vais voir quelqu'un, et puis après, vous vous dites, nous, on n'a pas toujours de réponse. Il y a ce côté où, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un frein à la pratique, ou en tout cas à pousser la porte d'un psychanalyste, de légitimité dans votre pratique? Parce que si je vais voir le docteur, j'attends des réponses, puis je vais dire, je vais voir un docteur, je vais voir un neurologue, un cardiologue. Et en fait, il y a une pudeur de dire, je vais chez le psy. Comment ça s'explique, ça? Ah non, quand vous allez chez un cardiologue, un médecin, vous allez chez quelqu'un dont vous pensez qu'il dispose d'un savoir, encore qu'en médecine, on sous-estime le fait qu'il y a une dimension d'art. C'est-à-dire, la médecine, ce n'est pas appliquer des techniques sur un corps. À chacun sa biologie. Eux aussi, ils se cognent avec le fait que ce qui marche avec un ne marche pas forcément avec l'autre, etc. C'est une pratique. Mais dans le domaine du psy, on a quand même cette idée que il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est qui se répète dans ma vie? Pourquoi je me mets avec quelqu'un, ça se passe très mal, ça finit en violence, je le quitte, j'en prends un second, ce n'est pas écrit sur le front, je vais t'emmerder comme le premier. Et au bout d'un moment, on finit par dire, peut-être bien qu'on y est pour quelque chose, mais pourquoi? Donc on va voir quelqu'un avec l'idée, que c'est ce qu'on appelle le transfert. Bon, on lui suppose... Mais on lui suppose quoi? Pas forcément d'avoir la réponse, de pouvoir écouter l'explication, parce que la psychanalyse a été inventée, je crois que c'est le 18 mai 1884, enfin, plus au pif. C'est très précis, oui. C'est une analysante de Freud qui s'appelle, je crois que c'est Annao, non, c'est Emma Yvonne, qui va voir Freud. Bon, elle a des symptômes, passe dessus. Et Freud, à l'époque, il est neuropsychiatre, il pratique l'hypnose et la suggestion, ce qui était le moyen efficace. Qui était le moyen efficace de traitement. Et il lui dit, en substance, écoutez, je vous impose les mains et je vais vous faire cracher la pilule, quoi. Vous allez le dire, ce que vous pouvez pas dire. Sachant que l'idée qu'on avait, c'est que la scène traumatique à l'origine des symptômes qu'on présente, on l'a refoulée, on l'a oubliée. Et que donc, si on s'en rappelait, on pourrait vous commander de l'oublier et de la mettre encore plus loin pour plus que ça vous embête. Bon, c'était ça un peu le principe de l'hypnose à ce moment-là. Et cet ami Vohen lui a dit, ah mais non, taisez-vous, laissez-moi parler. Et ça, c'est incompréhensible. Vous allez voir quelqu'un pour qu'il vous aide, et au moment où il vous dit « je vais le faire », vous lui dites « non, tais-toi, écoute, et laisse-moi parler ». Autrement dit, c'est la première fois dans l'histoire où l'enseignant, c'est l'analysant. Et Freud a consenti à ça. C'est dans la clinique un renversement inouï. Inouï. Et quand on essaye de traduire tout ça, parce que c'est passionnant, mais quand on essaye de le ramasser sur... pour ce qui concernait les épisodes du lundi, 5 épisodes, 20 minutes, et on essaye de résumer une analyse comme ça. Vous avez participé, je crois, à relire ou peut-être écrire le scénario. Comment on essaye de montrer tout ça en quelques minutes et juste avec à votre disposition un champ et un contre-champ? Comment ça s'est passé? Ben, ça se passe sur le fait qu'effectivement, il y a un petit artifice, c'est que, notamment surtout Dayan, le psychanalyste, parle beaucoup plus que ce qui est le cas dans la pratique, même si maintenant, les pratiques sont moins pures et dures, forcément, avec le psychanalyste qui dit absolument rien, ce qui était le cas avant. Mais quand même, c'est rare qu'il parle autant et qu'il exprime et qu'il explique autant le mécanisme psychique qui est en cours. Donc ça, évidemment, c'était scénarisé, et puis aussi ses propres conflits à lui avec ses épouses, enfin son épouse, et puis après. Mais par ailleurs, oui, j'ai travaillé sur le scénario, et c'était aussi intéressant parce que
Alors d'abord, c'était l'idée de Nakache et Toledano que ce soit une jeune femme d'origine musulmane. Et puis finalement, ça a été Aïdara, donc qui était en plus du Mali. Donc j'ai trouvé très intéressant que ce soit cette femme-là avec ces origines-là, parce que pèse sur elle des contraintes et des injonctions fortes, mais que d'après moi, on peut toutes reconnaître femme occidentale ou femme soi-disant de voilà de plus moderne. Et en fait, sauf que bah, évidemment, notamment sur le fait d'être mère et sur le désir d'enfant et d'être une bonne mère, bah, je crois que c'est quelque chose que partagent toutes les femmes, quelle que soit la civilisation dans laquelle elles sont nées. Mais le fait que ce soit cette civilisation-là permettait de, voilà, de mettre le point sur des choses justement très originelles, quoi, très archaïques. Ça, c'était une chose. L'autre chose qui était intéressante, c'est qu'effectivement, c'était notamment la fin. Enfin, d'abord, du coup, ce personnage est différent du personnage de la série israélienne et de la série américaine, qui étaient d'ailleurs des femmes, c'était très bizarre, parce qu'elles étaient en mal d'enfant, elles faisaient des fausses couches et tout, et je me rappelle d'avoir eu aucune empathie pour elles. J'avais plutôt envie de les gifler, pour tout dire, alors que, normalement, bah, c'est quelque chose de bouleversant. Enfin, bon, donc, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, et puis qui était bizarre. Et surtout, ce qui était aussi drôle, c'est que dans la série israélienne, le psy disait « Vous pouvez faire un enfant seul ». C'était sa parole libératrice. Et quand j'ai rencontré le réalisateur israélien et l'auteur de la série, je lui ai dit mais non, c'est pas, enfin, pour moi c'est pas ça aujourd'hui, ça n'a rien de libérateur. Il m'a dit ah oui, c'est un peu conservateur. J'ai dit bah oui, enfin en tout cas ce qui est libérateur pour moi aujourd'hui, hein, c'est tu peux ou pas faire un enfant. Enfin, vous serez une femme tout aussi accomplie si vous n'avez pas d'enfant. En tout cas, c'est votre désir, ça doit être votre désir propre et pas celui de la société ou de vos parents. Donc c'était rigolo de faire que à 10 ans d'intervalle, puisque la première série était oui à 7-8 ans, presque 10 ans, bah, la société, le regard de la société a déjà un peu changé vis-à-vis de ça. Et quand vous y êtes prise, parce que c'est quand même, quand on regarde la série, c'est très fort. C'est-à-dire qu'on part d'un échange avec bon, il y a deux, il y a un champ, un contre-champ, il y a une intensité bien sûr, mais comment vous y prenez pour pas piloter, mais en tout cas donner des indications aux acteurs pour arriver à appuyer ou à respecter un silence et en respectant aussi peut-être ce que ça remue en eux, puisque je suppose que le texte est aussi fort, donc ça a dû remuer aussi l'actrice. Ouais, bien sûr. De toute façon, dès l'écriture, dès la préparation, de chacun y aller, de son interprétation, de son avoir envie de raconter, ou dire bah, c'est drôle parce que ça je l'ai vécu. Et c'est aussi, je pense, le succès de la série, c'est qu'on peut tous, encore une fois, s'y reconnaître. C'est un travail de direction d'acteur. Voilà, j'ai travaillé au plus près avec Ayé pour. C'était intéressant d'ailleurs aussi parce que elle avait jamais fait elle de travail thérapeutique, donc elle découvrait un peu tout ça. Et j'ai pu faire, pour le coup, on travaillait dans l'ordre, et j'ai pu faire presque le même travail de lui enlever ses défenses et sa carapace. C'est un personnage qui, au départ, est extrêmement rigide et bardé de certitudes, et très en résistance. Et puis, au fur et à mesure, elle baisse les armes et elle ose se regarder un peu à nu et faire confiance, en fait, à l'autre. Et il s'est passé à peu près la même chose avec moi, en fait, parce qu'elle était au départ un peu en résistance, et puis j'ai gagné sa confiance au fur et à mesure du tournage, et à la fin, elle me s'est dit « dis-moi », et moi j'étais couchée en bas, à lui susurrer. Au pied du divan ? Oui, j'étais au pied du divan. J'étais d'accord. Là. C'est vrai. Pendant le tournage. Okay. Ouais, je la soutenais, je la portais, on avait le temps, enfin, qu'elle répète les choses, qu'elle les reprenne, qu'elle soit paumée de temps en temps, justement, qu'elle ait ces moments complètement où on ne sait plus rien. Hein. Et ça, c'était pour moi important de le filmer. Il y avait autre chose, c'est que dans la première série, je trouvais que
tous les analysants étaient super agressifs avec leur thérapeute. Or, bah moi, j'ai jamais agressé ma thérapeute, je n'osais pas du tout. Enfin, je veux dire, et je trouvais ça bizarre. J'ai demandé à mes copains, je lui ai dit, mais tu agresses, toi, ton thérapeute? Je me disais, ah, non, pas du tout. Et donc, je pense que c'est un peu parce que c'est des Israéliens, parce que je dis ça, hein, ma famille vit en Israël, donc c'est pas, ils sont assez agressifs. Et enfin, ils peuvent l'être, en tout cas, ils prennent moins de pincettes. Ce n'est pas les mêmes codes de politesse ou de civilité. Donc, je ne sais pas si ça a à voir avec ça ou à voir avec aussi l'envie que ce soit dynamique. Et moi, vraiment, je ne voulais pas ça. Je voulais qu'il y ait plus de silence, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et qu'il n'y ait pas de voilà, qu'il ne se fasse pas agresser, le pauvre gars, toute la sainte journée. Et d'ailleurs, je trouve que dans ce personnage-là, on voit vraiment, enfin, il fait un bon travail, quoi, de thérapeute. Enfin, il est, voilà, et ça me faisait plaisir, parce que il s'en prenait quand même plein la gueule pour pas un rond, beaucoup, quand même. Vous voulez réagir? Moi, sur Inès, je veux juste dire que j'ai vraiment été, je les ai regardés en suivant, hein, après, je les ai sortis pour regarder, les, je crois qu'il y a 6 séances, il me semble. Et l'entrée par le « Vous me devez un enfant », c'est vraiment un truc assez extraordinaire. Bon, d'abord, ça a accroché, bien sûr, à Cabane, mais... Et jusqu'à la fin où les choses sont ouvertes sur le choix, disons, si je me rappelle bien. Après, ce que vous dites de la série israélienne où il dit mais vous pouvez faire un enfant toute seule, c'est de la suggestion. Oui. C'est de la suggestion. Et la suggestion, on est toujours prisonnier de la suggestion de l'autre. On vient là pour essayer d'échapper à toutes ces déterminations, on ne vient pas en chercher une de plus. On vient voir plutôt comment on peut échapper à ça. Et je trouve donc, déjà mettre une alternative, ben c'est ouvrir. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Ça, moi, il faut des fois beaucoup parler pour qu'il y ait un point de silence qui laisse ouvert l'espace où le sujet va construire sa réponse. Mais l'idée, c'est qu'il récupère la responsabilité de sa position. Oui. Vous voulez, non, parce que justement sur la question de la responsabilité du thérapeute, parce qu'en fait on a l'impression parfois qu'il peut modeler finalement l'analysant, et c'est abordé aussi de manière vraiment intense avec la question du procès. Comment vous avez vécu ça, vous, en tant que professionnel? J'ai trouvé que justement, bon, après il y a une question que je me pose au-delà de ça, mais que c'était très bien traité. Parce que, je ne sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai lu, que je l'ai entendu, disons, lu. C'est que, bon, Adèle, il fait son analyse, et puis tout d'un coup, il dit à Philippe Dayan, je m'en vais, je ne sais plus s'il va, enfin il va rejoindre les Kurdes, je crois. Je m'en vais. Et il était dans la police, il était au Bataclan, c'est vraiment... Et il s'en va. Et il meurt. Et... sa femme va faire un procès à Philippe Dayan sur... je dis ça pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais je pense que tout le monde l'a vu. Il y en a un qui ne l'a pas vu. Okay. Il y en a deux. Moi, je parle pour vous deux. Ah, ils sont pleins. C'est pas du tout. Et c'est... Bon, et... Il est mis en cause pour non-assistance à personne en danger. Voilà, il est mis en cause. Vous auriez pu le retenir... vous auriez pu lui suggérer autre chose, vous auriez pu lui dire, mais enfin, c'est du suicide, et on l'accuse de suicide non assisté. Mais je trouve que la défense est bien fichue, et pas machiavélique, puisque c'est l'avocat, je crois, qui plaide le fait qu'on ne peut pas voler à un homme son choix. Il a choisi d'y aller, il avait choisi un métier à risque de défense, il est allé là-bas. Vous ne pouvez pas ravaler son choix au fait que ça dépendait des déterminations d'un autre. Bon, ça, c'est un aspect. Mais dans le fort intérieur, et ça, je comprends ça tout à fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce qu'il y est allé librement? Parce qu'on sent bien que son analyse aurait pu être poussée plus loin. Et à titre d'exemple, ça m'a rappelé quand même un épisode qui, moi, m'a toujours étonné. Il y a dans les cas de Freud un type, l'homme au rat,
c'est pendant la guerre de 14-18, il fait une analyse et puis tout d'un coup il s'en va et il meurt au champ de bataille. Bon, Freud n'en parle pas plus que ça, sauf qu'il raconte les moments d'analyse qui sont assez précieux, bon, pour des tas de raisons. Mais Lacan, quelque part, dit qu'il pense qu'il est allé mourir pour rejoindre son idéal héroïque qui, quelque part, n'avait pas été traité dans l'analyse. Donc je me suis dit, tiens, il y a une question comme ça qu'on ne peut pas éliminer. Mais, je veux dire, le sujet garde la responsabilité de sa position. C'est... Non, mais c'est intéressant parce que justement, je trouve que cet épisode du procès, c'est l'affrontement un peu qu'on vit en ce moment, j'ai l'impression, dans le champ de la psychanalyse, entre quelque chose qui doit être rationnel, et du coup, on provoque un stimuli, réponse A, réponse B, et du coup, vous n'avez pas fait le bon choix, vous êtes accusé de non-assistance. Et il y a cette opposition entre justement l'humain qui est pluriel, qui est singulier, et ce côté où on veut tout rentrer dans des cases. On a eu un bout de discussion au téléphone et il y a un fragment qui m'est revenu de quelqu'un qui m'a raconté, je vais essayer d'être très soft, comment avec un adolescent de 17 ans qui casse tout à la maison, qui est violent, qui l'embête, qui est quelqu'un d'intelligent, mais franchement c'est insupportable, c'est inviable, elle finit par demander à être reçue dans un dispositif de soins. Je ne dirais pas la ville. Bon. Et là, on l'a fait passer par tous les spécialistes, orthophonistes, assistantes sociales, éducateurs, je ne sais pas quoi, psychomotriciens. Toutes les deux, la fille a accepté d'accompagner sa mère, parce qu'elle fugue, elle ne va pas à l'école. Bon. Et à la fin, elle tombe devant le spécialiste en chef, le médecin, qui leur dit, bon, eh bien, écoutez, on a fait le bilan, votre fille, elle est autiste. Enfin, peut-être. Enfin, Asperger. Ça veut dire quand même, si une autiste, on peut s'atteler si on ne l'est pas pour être du même niveau. Bon. Remarquez, peut-être elle est HPI. Tous les gosses sont HPI aujourd'hui. Ouais. Remarquez ça. Moi, quand je rentrais de l'école et que je disais à mon père que la maîtresse m'avait engueulé, j'en prenais une de plus. Bon. Là, aujourd'hui, les parents ils vont voir la maîtresse en disant « il est HPI, hein, il est intelligent hein, ». C'est... Bon. Alors, bon, la mère, elle écoute ça. Elle a un métier assez proche, on va dire, du mien. Et elle lui dit quand même « non, mais attendez, moi, je viens parce que je cherche un endroit où quelqu'un puisse m'aider à faire face à cette situation incommode ». Et donc, je voudrais, vous voyez, parce que ma fille, on est à table, on entre avec son père de parler gentiment, et tout d'un coup, elle se pense, ah oui, 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 elle coche ça, alors là, c'est tout à fait autiste, ça. Non, non, mais attendez, je... quand même, elle est intelligente, elle comprend les trucs, quand par grâce, on peut regarder à la télé quelque chose en thérapie, ça peut se passer très bien, mais vous voyez, ça, c'est Asperger. Elle a dit, mais non, mais moi, je suis venu pour essayer de parler, essayer de trouver. Bon, écoutez, elle lui dit, il y a plusieurs problèmes. Le diagnostic, il faut quand même le vérifier. Donc, vous allez prendre rendez-vous au centre régional autiste le plus proche. Mais je vous préviens, il y a 2 ans d'attente. Bon. Alors, elle lui dit, bon, mais attendez, alors, et pour le traitement oh, ben, voyez avec votre médecin. Mais c'est ça, cette logique où on devient un objet qui a un diagnostic, ce diagnostic, une fois qu'on l'a établi, on a l'impression qu'on a fait un gros travail scientifique. Bon, pour le traitement, évidemment, pour le traitement, si on adopte l'idée que tout ça, c'est organique, eh bien, on va vous amener vers des traitements chimiques, je sais pas, ou prothésiques, ou chirurgicales même, ou je ne sais pas quoi, des interventions électriques sur le cerveau. Mais si vous pensez qu'il y a quand même un vrai problème, il faut peut-être trouver autre chose. Et en sortant, la mère dit à sa gamine, là j'en dis trop, là tout d'un coup, si je continue, je vais lui dire son nom. Elle lui dit, bon, mais ceci ne te fait pas de soucis, c'est diagnostic, hein, c'est quoi, ça ne vaut rien. La fille a dit, mais
comment elles font mes camarades, parce qu'elle est dans une bande qui n'ont pas de mère pour dire merde au psychiatre. Ah, elle lui dit la mère doucement, t'as quand même un problème. Et j'ai remarqué que depuis cet épisode-là, elle ne me parle plus de sa fille. Je suppose que quelque chose s'est ouvert du côté de peut-être il faut parler de ces choses-là. Tu as une question qui est pas, qui doit te permettre de sortir de cette jouissance immédiate que, après quoi tu cours et qui est tout à fait dans l'air du temps quand même. Est-ce que justement le succès de la série, c'est pas aussi le fait bon, qu'on ait peut-être tous des problèmes et qu'il y a des échos développés dans le scénario, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a cet espace, c'est un espace d'écoute qu'on n'a plus dans notre quotidien ou même dans notre intimité. Enfin, je sais pas si c'est des réflexions que vous avez eues en regardant ou en... Je sais pas si on l'a plus, je pense que ça a toujours été très compliqué d'écouter l'autre. Il y a très peu de gens qui savent écouter, il y a très peu de gens qui aiment écouter. Et il y a beaucoup de gens qui aiment parler. Hein. Enfin, qui préfèrent ça à écouter l'autre, ça c'est sûr. Donc c'est quelque chose dont on souffre tous plus ou moins. Puis en plus, il y a écoute et écoute. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'aime ce temps et cet espace. C'est que je sais que je vais être écoutée. Bon, je paye pour ça, oui. Mais je vais être écoutée de façon bienveillante pendant un long moment. Et que du coup, je vais être un peu moins embêtante avec les autres parce que j'aurais déjà vidé mon sac quelque part. Mais sur l'agressivité dont vous parliez tout à l'heure, alors c'est vrai qu'il y a les aspects culturels qui jouent, les codes, sûrement. Mais en même temps, le transfert, c'est une mise en acte des choses de l'inconscient, de ce qui habite les sujets. Et on est très tributaire de ce qu'on doit inventer pour habiter le monde dans lequel on est. Et sans doute qu'être dans la société israélienne aujourd'hui, ça ne doit pas être toujours tendre, ça ne doit pas être toujours facile. Et donc il y a sans doute dans la mise en acte adressée aux psychanalystes, mais ça fait pas mal, hein. Je dois dire. Il faut simplement qu'il ne se défausse pas. S'il veut permettre à celui qui va agir au lieu de parler, de pouvoir se rendre compte de ce qui est en train de jouer. Parce qu'en effet, c'est la prise de conscience qui peut l'adoucir et l'amener, sans d'ailleurs forcément désactiver la colère, mais en la mettant au bon endroit. Ça, c'est... D'ailleurs, on ne s'est pas fait pour rendre les gens comme des moutons. Vous n'avez pas... Comment dire, quand vous avez réalisé et participé à cette série, est-ce que vous pensez aux gens qui vont regarder la série ? Est-ce que vous pensez juste au texte ou est-ce que vous pensez à la façon dont ça va être réceptionné, est-ce que ça peut provoquer chez les gens? Il y a toujours un endroit en moi, que ce soit pour cette série ou pour ce que j'écris par ailleurs, où je pense à, pas tous les gens, mais je pense à certaines personnes qui vont pouvoir regarder et être soulagées ou consolées ou réconfortées par ce qui est dit dans ces épisodes ou à travers tel ou tel personnage ou à travers tel ou tel film. Oui, ça me porte toujours. J'ai entendu dire, ou je crois avoir lu, que la séance n'est pas répétée entre les deux, qu'il y a quelque chose comme une mise en situation au moment où vous tournez. C'est vrai, ça, ou c'est... Oui, absolument. On répétait pas. Après, ce qui était drôle, c'est que évidemment, ils avaient lu le texte, mais Frédéric Pierrot, pas toujours. Pas toujours. Il travaillait souvent à l'oreillette, et donc très souvent, il entendait, et il voulait ça aussi, justement, écouter, découvrir, effectivement, d'être pratiquement dans la position d'un psy qui découvre. D'ailleurs, à un moment, il s'est un peu pris pour un psy. Il paraît que tout... Non, et en plus, j'ai été invitée par plein de psychanalystes, etc. Donc, et il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont devenus fous un peu partout, tous les acteurs, parce que ça a été joué dans 16 pays. Et à peu près les 16 acteurs qui ont joué ces rôles-là ont fini par
En France aussi, là, sur la saison 2 ? Donnez-nous des nouvelles. Non. Frédéric va très bien. Mais je voyais bien que de temps en temps, même il me proposait une autre phrase. Comme, voilà, il s'était pris au jeu. Je disais, non, elle est moins bien, cette phrase, Frédéric, que celle qui est écrite. Mais bon, voilà, il avait un truc. Il était très investi, c'est normal. Il y a vraiment... Et il y a plein de gens dans la vraie vie, dans la rue et tout, qui le prennent pour un psy, qui lui parlent. Mais bien sûr, hein. Mais ça marche un peu à l'envers que dans l'analyse, parce que quand on va chez un psy, en fait, c'est un type qui a été malade pendant très longtemps. Donc il a fait une très longue analyse, avant de se dire, tiens, mais le soulagement que j'ai, je vais en faire profiter d'autres. Là, on commence par être psy, après on devient fou. Intéressant. Et lui, justement, je reviens sur Frédéric Pierrot, vu qu'il avait déjà ce costume de la saison 1 qui était devenu un grand costume, parce qu'avec le succès de la première saison, comment vous vous sentiez légitime à lui donner des directives alors qu'il avait, lui, tout le passif de la... Oh non, mais Frédéric, d'abord, il était ravi, au contraire, d'abord, c'est un acteur merveilleux, et un être humain merveilleux, donc qui aime découvrir et qui était ravi de passer d'un metteur en scène à l'autre. C'est ce qui était passionnant. Après, évidemment, on n'allait pas lui demander de se teindre en blond et de faire... Enfin, je veux dire, on restait dans un certain cadre. Mais il était très content d'être dirigé. Oui, d'être dirigé, mais cette histoire d'oreillette m'a surpris, parce qu'on s'attend à ce que ça soit hyper calibré. Et en fait, il arrivait à exploiter cette spontanéité de découvrir le texte sur le moment du tournage. Ouais. Est-ce que tous les lapsus sont écrits ? Oui. Ah oui. Peut-être pas tous. Peut-être pas tous. Je me suis posé la question. Attendez, ça va peut-être me revenir. Il y en a un qui je sais qui lui a échappé et qui n'était pas écrit. Et elle aussi. Mais la plupart sont écrits, oui, quand même. Oui. Parce que même eux ont un inconscient, quand même. Hein. Même s'ils jouent celui d'un autre. Est-ce que ça les a remués, tous les deux ? Oui. Donc, il y a le sens, ils sont sortis éprouvés ou ils sont allés chez un psy après ou... Non, alors, je ne veux pas d'abord révéler leur... Pas dévoiler leur intimité, non, je suis désolé. Question déplacée. Mais par contre, est-ce que c'est sur le tournage, vous sentiez que ça allait au-delà de l'incarnation du personnage ? Oui, et puis pour tous les acteurs, hein, il y a eu des... C'est un tournage particulier, c'est un... Voilà, encore une fois, ça permettait à chacun un peu d'exprimer ses faiblesses aussi, ses doutes aussi. Ça l'a bien remué, ça, je le sais. Ah oui, ça l'a bien remué. Oui. Oui. Juste par curiosité, c'est combien de temps de tournage pour 5 épisodes comme celui-là ? Alors, vu que c'est sur une série. 15 jours ? Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait 2 épisodes par 3 jours. C'est monstrueux, c'est un rythme fou. Mais bon, c'est inhumain. Ça n'entache pas justement le côté où... Enfin, c'est paradoxal d'avoir un rythme de production aussi élevé et d'aller sur un temps où il y a des silences, où il faut ménager les... Oui et non, parce que le silence ne prend pas plus de temps à être filmé, mais c'est... Bon, puis c'est un champ contre champ. Enfin, après, il y avait toutes les milliards de dispositifs, etc. Mais... quand on sait qu'on a tel temps, on le fait dans tel temps. En tout cas, bizarrement, le temps ne m'a pas manqué. D'accord. Alors d'habitude, on continue un petit peu, mais vu que vous êtes très très nombreux et qu'on doit finir vers 19h30, je propose qu'on vous passe le micro et qu'on prenne vos questions. Après, si vous n'en avez pas, on continuera à discuter. Mais je sais qu'il y a souvent une demande importante là-dessus. Donc, si vous souhaitez le micro, il est ici. Vous pouvez lever la main. Monsieur devant. Bonjour. J'avais une question, mais je voudrais répondre à ce qu'avait dit Agnès Chaoui. Souvent les gens ils disent souvent on dit les journalistes, les gens de télé,
n'écoute pas les réponses, mais en fait, c'est comme dans la vie. Mais on critique les gens du télé. Mais dans la vie, on est pareil. Et on n'écoute pas les autres. Et puis, depuis il y a le Covid, on entend tous, on va mal. Mais moi, il y a une question depuis une vingtaine d'années. Je n'aime pas poser la question aux gens et je n'aime pas me poser des questions. Quand on dit on va bien, les gens, 99%, ils vous disent comment tu vas ? Ils s'en foutent de ta question. Mais ils disent ça va. Comme avant-hier, je disais, sont moqués, t'as personne, un directeur, n'importe qui, ils vont pas te dire ça va mal. Une fois, je posais la question à quelqu'un trois fois, parce que je sentais aller pas bien. La troisième fois, m'a dit ça va pas. Et moi, des fois, on me disait ça va. Je disais ça va. Et comme tout le monde. Et puis dans ma tête, elle me disait mais t'es bête, tu vas pas bien. Mais en fait, pourquoi tout le monde doit aller bien? Parce que c'est bête de poser la question. Non, je trouve que c'est une très bonne question. Pourquoi doit-on tous aller bien tout le temps? Et puis, je rajouterais, c'est quoi aller bien? Voilà. Débrouillez-vous. Peut-être commencer avec Marie-Jean. Non, moi, je trouve que c'est la question des questions. En réalité, quand on nous demande « ça va ?» et qu'on répond « ça va ?», en général, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Parce que, qu'à chaque fois qu'on s'amuse à dire « oh, écoute, je ne vais pas trop bien », là, il faut s'expliquer. Or, on ne peut pas s'expliquer avec n'importe qui, même son meilleur ami. Il vaut mieux l'épargner quelquefois. Après, quand même, les psys, c'est quelque chose qui a été inventé finalement assez tardivement dans l'histoire. Mais ça a été inventé pour répondre d'un certain malaise, j'ai failli dire dans la civilisation, pour parler comme Freud. Parce que le fait de ne pas aller bien, de toujours devoir construire la solution pour habiter le monde, c'est l'état général. C'est la solution générale. On est toujours... Et il n'y a pas une solution, une fois pour toutes, qui ferait qu'on irait bien. Je crois que la solution que nous inventons, c'est une sorte de... Les Anglais ils disent de work in progress. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini d'inventer la solution. D'ailleurs, vous le dites de cette façon, en disant, mais moi, quand ça ne va pas, je reviens, on n'a jamais fini de cultiver cette solution qui fait qu'on réinvente en même temps notre rapport aux autres, le rapport au monde. La psychanalyse se réinvente, à dire vrai, avec chaque analysant. Alors, de ce point de vue-là, peut-être on pourrait considérer sa propre vie comme une sorte d'œuvre d'art. On n'est pas tous des artistes au sens où vous l'êtes, mais on a tous cette capacité de création dont on fait usage tous les jours. Moi, je dis des fois autour de moi, mais moi, j'aimerais à la fin de ma vie avoir le temps de me retourner et dire, tiens, ça avait du style. Bon, on en verra. Hein. C'est ce que voilà, vous êtes... Je ne sais pas très bien répondre à ça. Parce que... Et alors, il y en a qui se débrouillent tout seuls et d'autres qui ont besoin d'un coup de main, soit d'une institution d'accueil qui pallie le fait que le lien social, que les solidarités se défont, on n'est pas tout à fait capable. Donc il faut inventer des institutions, mais on fait des institutions théoriquement dont on devrait pouvoir sortir. Et c'est ça la question. Il ne faut pas la poser aux gens comment vous allez. Parce que il y a combien de pourcents qui vous disent ça ne va pas?
99% vous dit ça va. Même s'ils ne vont pas bien, ça va. Vous allez poser la question demain. Vous allez voir combien de pourcents va vous dire que ça va. Non, non, je souscris. Ça, c'est la question de façade. C'est... Mais parler, enfin bon, moi, je... parler sur ce mode-là, c'est quand même pouvoir témoigner de ce qui fait que, je ne sais pas combien on est ici, mais je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais chacun est différent de son voisin. Bon, il y a quelque chose, et pas simplement parce qu'on a des corps différents, etc. Mais moi, c'est une chose qui me frappait quand j'étais à la fac, c'est qu'on fait des lois en psychologie qui valent pour tous. Mais si on fait une loi qui vaut pour tous, alors ça veut dire que les noms, les prénoms, ce qui est tout à fait spécifique, notre rapport à la sexualité, nos fantasmes, tout ça, mais il faut le faire passer à la trappe. C'est-à-dire, la psychologie, c'est une science à condition d'exclure ce qu'il y a de plus singulier du contenu de la science, parce que la science, elle ne veut rien savoir du sujet qui la fabrique. Bon, donc, à la fois, je profite de votre question pour dire ça, mais moi, ça m'arrivait à la fac de dire, dans ces appuis aussi importants que là, de dire, on va faire le portrait de l'étudiant, de l'auditeur moyen. Alors, on ne va pas le faire, lever la main les filles, lever la main les garçons, puis à la fin, en rajoutant des caractéristiques, ceux qui habitent Toulouse, ceux qui habitent en dehors, ceux qui parlent anglais, ceux qui ne parlent pas anglais, ceux qui parlent occitan, ceux qui ne parlent pas occitan. Et plus vous rajoutez des caractéristiques, bon, on les marque au tableau, et à la fin, on a un portrait moyen. L'étudiant en psycho, c'était une fille brune, qui ne parle pas anglais, qui ne parle pas occitan non plus. Et on continue comme ça, et quand on a fait toute la liste, on dit, alors, levez la main ceux d'entre vous qui correspondent au portrait moyen. Il n'y en a pas un. C'est ça l'objet scientifique de la psychologie. Et quand on vous parle du français moyen aux élections, c'est pareil. Il n'existe pas. Rendre la parole au sujet, c'est antinomique avec ça. Bon. Pardon. Non, non, très bien. On peut prendre une autre question là-haut, ouais. Je vais faire court. Pourquoi on ne traite pas l'ASMR sur le plan psychanalytique, à votre avis? Je ne vois rien là-dessus. L'ASMR, alors si je me trompe... Non, Alzheimer ou ASMR? Alzheimer. Qui est une maladie psychiatrique. Je lis beaucoup là-dessus, parce que beaucoup de monde est touché, moi aussi. Et je ne vois jamais d'explication. Enfin, ce qui me choque, c'est que je vois que sont atteintes des femmes de la génération de ma mère massivement et qu'il n'y a pas d'hommes. La piste de l'âge n'est plus un âge. Donc, et je ne vois rien sur la vie de ces femmes. Non, c'est pas ça, j'ai lu, il paraît que c'est pas ça. Je ne vois aucune tentative de ce point de vue-là pour voir qu'est-ce qui fait que ce sont les femmes de cette génération, on ne sait pas comment ça va évoluer, qui massivement sont atteintes. C'est une question énorme, j'hésite entre deux voies. Bon, les accidents neurologiques, ils existent. On ne sait pas ce que c'est Alzheimer au passage, hein. C'est un peu compliqué, mais les accidents neurologiques, ils existent. Ceci dit, je crois que c'est Lasnik, une psychanalyste qui a repris des expériences sur des enfants autistes pour comparer les neurones, le développement des neurones, et s'apercevoir qu'en effet, ils ont des formations réticulées qui ne se développent pas, tandis que les enfants normaux, ça se développe. Et alors, ils ont enregistré les dialogues avec les mères. Et ils s'aperçoivent que les mères d'enfants non autistes, elles parlent le mamané, comment tu vas mon petit, et il y a des prosopopées, il y a des tas de trucs, alors que les mères d'enfants autistes, bon, alors, évidemment, on pourrait dire ce qu'ils ne font pas, les gens qui ont fait ces expériences, dire, mais alors, c'est parce que les parents ne s'intéressent pas à leurs enfants que leurs enfants débloquent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Essayez de parler avec enthousiasme à un enfant qui ne vous regarde pas, qui ne vous parle pas. Il faut vouloir, hein. C'est compliqué.
Alors, ils ont enregistré des mères d'enfants normaux, qui, avec des parlers complètement éclatés, gentils, sympathiques. Et ils ont, j'aurais jamais prêté mes gosses à ça, hein, mais ils ont mis des électrodes sur les enfants normaux et les enfants pas normaux. Et puis, ils ont essayé de mesurer l'excitabilité du cerveau aux enregistrements des mamans nées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'aucun enfant n'a réagi. Parce que l'interaction entre des sujets qui se parlent, ça ne s'enregistre pas. Bon. Alors, quel rapport avec Alzheimer ? C'est l'autre aspect, mais je vous réponds juste d'une expérience, je ne vais pas dire... avec une de mes proches, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si elle souffre d'Alzheimer, mais en tout cas de détérioration mentale. C'est une personne, quand on va la voir, il peut arriver qu'elle ne reconnaisse pas. Mais nous parlons, et je vous promets, moi, je ne prends pas de gants, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui je peux dire en arrivant, tu as du pot, toi. Elle me dit, pourquoi ? Mais je dis, mais tu n'as pas de mauvais souvenirs. Et elle me dit, espèce de salaud, j'aimerais bien avoir des bons. Et puis ça commence comme ça. Mais je vous promets qu'on peut parler au bout d'un moment comme on parle là. Alors, je ne sais pas répondre à votre question de l'explication, mais ce que je sais, c'est que si on mettait un peu plus d'argent pour des dispositifs de parole, et aller dans un endroit, cette personne, où je trouve qu'il est pas mal, mais s'il y avait plus de gens pour des dispositifs où on peut se parler, où ils peuvent s'expliquer, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont des troubles neurologiques qu'ils sont dispensés de s'expliquer avec ce qu'ils font de leur vie aujourd'hui. Donc c'est sur ce plan-là que je vous répondrai. Et quand je m'en vais, je lui dis, elle nous dit, « Oh, mais restez encore un peu. » Mais non, je lui dis, « Tu t'en fous, dans 5 minutes, tu auras oublié. » Mais elle rigole, c'est de l'humour. C'est pas... Bon, il faut que j'arrête de lui dire, parce que ça, c'est une autre histoire. Une question ici. Bonjour. Merci beaucoup pour la discussion. En fait, j'aurais une question qui est venue en vous écoutant, parce que c'est vrai que quand je suis venue, j'avais vu le titre « Tous en thérapie », et on m'a dit aussi, alors j'ai pas vu la série, je suis partie des mécréants, mais on m'en a dit beaucoup de bien, notamment sur le fait qu'effectivement, ça a déstigmatisé le fait d'aller voir un psy. Et paradoxalement ou pas, je sais pas, en vous écoutant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de dire qu'on va voir un psy. Et ça n'a pas pour autant déstigmatisé la folie. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde peut aller voir un psy parce que finalement, même les gens normaux, ces fameux non-fous, peuvent aller voir un psy parce que bah, ça les rendra, on a tous des problèmes et qu'ils vont pouvoir être plus performants au travail ou mieux réussir dans leur couple ou mieux éduquer leurs enfants. Mais les fous sont toujours là, sont toujours... pour le coup, on va toujours dire bah, celui-ci, il faut l'interner, ou celui-ci... effectivement, on ne va plus dire celui-ci, il faut qu'il aille consulter, puisque tout le monde peut aller consulter, mais il y a toujours cette stigmatisation d'une frange de la population qui va être considérée comme pas normale ou folle. Et ma question, c'est en fait, du coup, comment est-ce que la déstigmatisation de la psychothérapie, du fait d'aller consulter, n'est pas allée de pair ou d'une déstigmatisation de la différence. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au nom des fous. Non, mais c'est... Ah, oui, mais justement, c'est... le problème, c'est que ça devienne des questions de spécialistes, alors que je crois que... on n'a pas été capable de faire partager ces questions par l'ensemble de la population. Moi, c'est ça que je reproche à nous-mêmes, quoi, enfin, à ceux qui travaillent dans le secteur. Mais on est quand même dans une société qui promeut une seule valeur, les valeurs marchandes, je caricature peut-être, mais qui promeut les valeurs marchandes au détriment de toutes les autres et
qui pensent que tout ce qui pourrait être traité par la science, l'économie, les relations de tous, on peut le ramener. Et on voit comment le numérique favorise ça en plus, accentue ce processus. Ça disqualifie toutes les valeurs traditionnelles avec lesquelles on essayait de penser le monde, qu'on allait les chercher dans la religion, etc. Mais ça secrète une anthropologie qui nous formate. Et dans cette anthropologie, entre guillemets, cette façon de concevoir ce que doit être l'individu d'aujourd'hui, il doit être efficace, rentable, utile, flexible, économique, et maintenant il doit faire des économies. Bon, enfin, je sais pas comment on dit. Mais c'est vrai, c'est objectif, on peut le mesurer. Et avec une conception de l'égalité, où un individu veut un autre, et qui élimine toutes les différences. Alors le problème, c'est que l'individu, même s'il se laisse formater par ça, il ne peut pas ne pas se poser la question de ce qu'il est. Et du coup, on a des réponses en termes d'identité, mais très figées et très fermées. On a une montée des communautarismes, on a une montée de discours très rationnels, mais qui doivent répondre à la question de ce qu'on est. Et je mets en série, moi, la montée en puissance des communautarismes, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand on dit ça, c'est du communautarisme fermé, une communauté qui a toujours besoin d'un étranger, d'un autre, qui va représenter celui que je ne suis pas, qui soutienne donc ma propre identité. Parce que, je veux dire, pour qu'il y ait des gens de droite, il faut qu'il y ait des gens de gauche. Je veux dire, c'est binaire, ça. Pour qu'il y ait des bons Français, il faut qu'il y en ait des mauvais. Pour qu'il y ait ceci, il faut toujours un autre. Et l'autre, il va vite devenir le voleur de jouissance, celui qu'on va accuser de tous les maux. Donc, dans nos sociétés, il y a quand même des gens qui ont du mal à rentrer dans les modalités attendues pour faire fonctionner le monde tel qu'il va, dans la logique telle qu'il est. Et c'est vrai que les enfants, les fous, ceux de l'hôpital psychiatrique, il faut bien dire que les femmes ont rempli ça, et puis tous ceux qui sont victimes du racisme, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a une fonction remplie par tous ceux qui vont incarner l'altérité dans une société. Ils vont devenir des cibles. Donc je crois que, vous voyez, quand on se bat pour la défense de la singularité du sujet, des symptômes de la psychanalyse, de la clinique, ce sont des questions politiques. C'est pour ça que je dis que c'est dommage que... Je ne sais pas si je vous réponds, mais au moins, il y a une piste par là. Donc, déségréguer, eh ben oui, d'accord, mais ça veut dire quand même, si je peux rajouter une chose, j'ai dit tout à l'heure qu'on ignorait ce qu'on était réellement. Et c'est cette altérité à nous-mêmes, comme disait Rimbaud, là, quand il dit « je est un autre », c'est cette altérité que le poète sait reconnaître, l'artiste sait le reconnaître, que globalement nous ne savons pas reconnaître, et que nous faisons porter par un autre, et en plus on le punit pour ça. Donc il faudrait d'abord être capable de reconnaître l'altérité chez soi. Ça serait peut-être plus pacifiant pour tout le monde. Dans la série, il y a le personnage d'Alain qui est au sommet de sa puissance, qui est justement stigmatisé parce qu'il est jugé coupable, c'est le bouc émissaire, et il s'écroule en... Il est exclu et il s'écroule en quelques semaines. Et il est exclu du système, entre guillemets, parce qu'il n'est plus performant, il ne répond plus. C'est là qu'il pousse la porte d'un psy. Oui, oui, non, mais ça... il faut inventer une solution viable. Alors, il y a une question. Oui, bonsoir. Agnès Jaoui, dans votre série, vous n'avez de cesse à un moment donné... Enfin, dans plusieurs séances, finalement, on voit souvent le fauteuil vide. Et dans un même temps, vous faites le choix du regard et du face-à-face entre l'analysant et le psychothérapeute. Je voulais savoir si ce choix était juste un choix, entre guillemets, technique, pratique, parce que le champ contre champ était plus dynamique, ou s'il y avait un autre choix derrière. Bah, en plus, j'ai horreur des champs contre champs, donc c'est assez drôle, parce que j'étais obligée de ne faire que ça.
et de faire un peu toutes les déclinaisons possibles voilà, pour aller d'un personnage à l'autre ou pour rester sur un personnage. Donc j'ai pu explorer toutes les possibilités de ce procédé qui n'a pas ma préférence. Je les utilise le moins possible en général, mais bon, voilà. Et donc, oui, ça a été des choix la plupart du temps. Et puis des fois, la rapidité de l'exécution m'obligeait à pas pouvoir faire exactement tout ce que je voulais. Mais quand même, encore une fois, j'ai pas tellement manqué finalement bizarrement de temps. Et j'ai pu travailler des travelling avant, tout d'un coup oublier l'autre, tout d'un coup faire des changements de lumière, mais qui étaient imperceptibles, mais comme si on était que dans la tête de Ié. Enfin voilà, j'ai pu, oui, encore une fois, explorer toutes les techniques possibles pratiquement. Et est-ce que juste je peux avoir l'avis de Marie-Jean Souré sur le face-à-face permanent dans la série entre l'analysant et le psychothérapeute ? Ça, c'est une grosse question. Ça a l'air de rien. Freud, lui, il a allongé les gens au départ simplement parce qu'il ne supportait pas d'être regardé. Mais on vient de faire une expérience bizarre. Et puis, ça a mis en évidence quand même quelque chose. Comment ça se fait qu'on n'ait pas le sentiment dans l'existence d'être sous le regard de tout le monde ? Il y en a qui l'ont. Et on les appelle quelquefois des paranoïaques même. Parce qu'ils ont l'impression que, où qu'ils soient, on les regarde. Comment ça se fait qu'on oublie ce regard de l'autre ? Et ce que Freud a découvert, c'est qu'en supprimant ce regard direct, alors tout d'un coup, l'analysant pouvait évoquer l'autre regard, celui qu'il a construit comme l'autre avec lequel il a construit sa vie. Mais on vient de faire une expérience un peu étonnante pendant le confinement. Et un certain nombre d'entre nous, on a continué à travailler pendant le confinement, soit par téléphone, soit par des modalités. Et à dire vrai, ça ne marche pas avec tout le monde. Bon, d'abord, moi, ça m'était insupportable qu'on puisse regarder mes trous de nez pendant un temps. Mais là, ce sont des analysants qui m'ont dit « Fermez votre caméra bon, ». Et oui, après tout, c'est vrai, fermez votre caméra. Et bon, et puis eux... Mais en réalité, ça a marché pour les gens qui étaient déjà en analyse, globalement. C'est-à-dire pour qui le dispositif était transitoire. Bon, c'est comme ça, on s'accommode de ça, on a besoin de parler, on va le faire. Par contre, il y en a d'autres, y compris qui étaient en analyse, pour qui ça a été insupportable et pour qui, essentiellement au téléphone d'ailleurs, le téléphone a transformé la parole en communication. Et là, on voit la différence. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se met à donner des informations. On n'est plus du tout dedans. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui vient me voir qui m'a dit « Mais vous, là, les artistes de la parole, vous la foutez mal. » C'est quelqu'un qui travaille dans l'informatique et qui m'a dit « Mais vous savez, vous pouvez utiliser tous les dispositifs que vous voulez, vous sacralisez la parole. » C'est pas sûr, ça. Mais enfin, vous passez par des tuyaux où vous l'offrez à tout le monde. Bon, et puis, il n'y a rien à faire. Ça transforme les choses en communication. Donc lui, il n'a pas voulu. Mais c'est absolument respectable. Donc c'est... Vous voyez, je n'ai pas de réponse. Je trouve que dans le film, eh ben, ça fait partie de ce qui a permis de rendre visible ce qu'on ne peut pas filmer. Donc pour moi, vous voyez... Qu'est-ce qu'il y a de juste dans la série ? Ça ne se mesure pas en termes de « ils ont respecté ou pas le dispositif ». Oh, pardon. Si vous n'avez pas entendu, je recommence. Non, mais il y a même un épisode qui est filmé, c'est une visio. Et c'est, enfin, je ne sais pas dans le public, moi j'étais étonné, je me suis dit, bon, le défi de faire 30 minutes en visio, je ne sais pas si vous avez échangé avec... C'est Emmanuel Finkel, je ne sais plus si c'est lui. C'est pas moi. C'est avec Weber, mais voilà. Et du coup, on sent ce que vous dites, c'est-à-dire que tout est perturbé. Tout est perturbé, oui. Et c'est beaucoup plus facile aussi de quitter la séance, puisqu'à la fin, il raccroche. Oui.
Oui, alors là, il y a des, bon, là, il y a des questions. Bon, il y a des tas de questions que... Alors, on va prendre une autre question. Qu'ils vont me poser. Oui, j'avais une question pour Agnès Jaoui. Je ne sais pas si c'est vraiment votre choix à vous, mais pourquoi vous avez abordé la série sous l'angle de la psychanalyse et pas d'une autre approche ? Parce que c'est ce qui m'a été proposé. Voilà, elle était déjà faite comme ça, donc voilà. Donc, mais vous savez pas pourquoi à la base ça avait été cette approche-là qui avait été utilisée ? Non. Non. Désolée. Quel a été le rôle de comment il s'appelle, Sfer ? J'ai oublié son nom du psychanalyste qui a. Ah oui. Il a été consulté pour. Régulièrement par les scénaristes pour tel et tel. Il n'était pas là. Moi, je ne l'ai pas vu. Ah oui. Il y a une autre question. Alors, moi, franchement, au départ, j'étais réticente à regarder cette série parce que je me suis dit oh là là. En quelques épisodes, on soigne les gens, on leur apporte toutes les solutions. Et puis, je me suis laissée vraiment tenter. Je ne l'ai pas regrettée parce que vraiment, si on est honnête quelque part, on s'est tous reconnus avec cette panoplie de personnages qui représentent la comédie humaine, hein, quelque part. Et... on se sent, enfin, je ne sais pas comment dire, mais d'abord, ça rend addict parce qu'on a le sentiment qu'en regardant les épisodes, on est moins con, on est plus clairvoyant. Ah mince, ah ouais, tiens, moi, j'ai vécu ça, ah ouais. Donc, on a l'impression qu'on a des outils en main. Et j'ai trouvé une forme de réjouissance et d'apaisement à regarder tous ces êtres évoluer, et notamment les gamins m'ont beaucoup touchée. Voilà, je les ai trouvés assez merveilleux. J'ai été surprise aussi par le rôle. Alors, je ne me rappelle plus la fille de Vincent Lindon, Suzanne. Voilà, et Weber, qui est excellent, parce que voilà, il est excellent, il est taiseux. Mais au final, après, on comprend pourquoi. Et donc, cette série, elle nous a donné des moments où on a trouvé, peut-être pas des réponses, mais on se pose des questions, on y réfléchit, et on se dit, on n'est pas solo, quoi, à vivre tout ça. Et je trouvais que c'était super bien joué. Puis Dayan, il est fabuleux, on voudrait tous l'avoir comme psy, il a une voix... absolument géniale, apaisante, rassurante, réconfortante. Et comme vous le dites très bien, le fait d'aller voir un médecin, on est soigné à 80%, et le fait d'avoir regardé quelques épisodes, on avait l'impression qu'on était un petit peu armé face à nos démons multiples et illimités. Donc merci. Vraiment, c'est un merci beau cadeau. Beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Alors, effectivement, il y a eu un moment où moi aussi, j'ai été un peu réticente au départ pour voir la série. Je suis un peu de la partie. Et après, on peut faire toutes les critiques qu'on veut. Moi, c'est vrai que j'ai regardé les deux saisons. À ce que j'ai pu entendre parfois, si au moins ça fait venir des gens dans les cabinets, alors là, c'est bien. Je fais plouf, quoi. Ça, non, je ne pense pas que ça soit l'intérêt. Par contre, vous avez parlé de comédie humaine, ce que je pourrais retenir, c'est qu'en fait, on s'aperçoit bien qu'il y a une clocherie, que ça cloche tout le temps, pour qui que ce soit, pour n'importe quel sujet, et que cette clocherie-là, elle n'est pas, mettre dans une boîte diagnosticable, de toute façon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'individu, effectivement, à ça. Et qu'il y a vraiment une part, c'est bien ce qui se montre dans la série, où à un moment donné, c'est à chacun sa clocherie, et à chacun de faire avec et de trouver une solution. Et aussi, c'est peut-être une manière, comme vous le disiez, Anne-Joy, oui, d'aller pas emmerder nos amis avec nos conneries.
Ça, je le pense, et que même ça peut nous alléger. Mais il y a quelque chose que j'aimerais ressouligner d'une certaine manière, justement, c'est le point d'interrogation qu'il y a au titre de cette conférence, ou je sais, enfin de notre débat, qui est tous en thérapie, point d'interrogation, et que je trouve finalement assez intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui avait été souligné, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde peut y aller, tout le monde y va, ou souvent. Et pourquoi ? Pourquoi y va-t-on, en fait ? Est-ce qu'on y va parce que l'OMS, Marie-Jean Sauré a parlé tout à l'heure de l'OMS, moi je me souviens que dans mes études, dans mon rapport de stage, j'avais pris une définition de la santé vis-à-vis de l'OMS, qui était un ensemble de bien-être, du côté d'une santé mentale et physique, en fait, qui permettait à l'individu d'être dans une société et de produire. Donc voilà. Donc est-ce que effectivement il s'agit d'être tous en thérapie pour retrouver une certaine norme, on va dire, ou une certaine manière d'être efficace, ce qui fait dire oh bah dis donc toi tu vas pas bien hein, là t'es pas dans le rail hein, donc tu vas pas bien au boulot, faut que tu y ailles, ou est-ce qu'il s'agit de trouver une manière d'être bien avec soi, enfin comme disait Marie-Jean Sauré, d'une solution pour vivre et habiter le monde d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on peut avoir très peur en ce moment, c'est pour ça que je le ramènerai juste à ça, enfin là je suis en train de me répéter un peu, mais tous en thérapie, point d'interrogation, parce que c'est quand même à nous, tous, citoyens, de la partie ou pas de la partie, acteurs, camionneurs, tout le monde, la question elle nous appartient à tous, et c'est une question qui me semble très importante à l'heure actuelle dans une société qui n'a pas que le privilège d'être dirigé par des fous, mais qui a aussi quand même le privilège de vouloir nous mettre au pas et de nous clouer le bec, à coup notamment de diagnostics et sans s'apercevoir d'une richesse du sujet et d'une autre manière de ne même pas voir que les fous dont on parle parfois sont ceux qui font nos livres, nos films, nos peintures et bien d'autres choses. Merci pour cette intervention. Merci. Vous voulez réagir ? Non, je n'ai évidemment rien à rajouter, sauf qu'évidemment, le travail thérapeutique n'est pas censé rendre plus productif et n'est pas censé vous faire rentrer dans la norme. Bien sûr que non, au contraire. Oui. Alors, sans transition, moi, je voulais savoir, par rapport aux comédiens, s'il y a eu un appel à candidature, le choix des comédiens, comment il s'est effectué, s'il y a eu une sélection au départ, s'il y a eu effectivement des personnes qui ont répondu présents pour les rôles, ou voilà, c'est ma curiosité. Oui, il y a eu des castings, il y a eu des auditions, et été pressentie, mais enfin, elle a passé une audition comme d'autres comédiennes, et c'est celle qui m'a le plus plu de loin, et puis voilà, et comme elle plaisait aussi Anna Cachet-Toledano, ben ça s'est fait comme ça. Mais oui, il y a eu des auditions. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou poser une question? Pardon, je vois pas tout. Ah oui. Merci, je vous fais aller loin. Ma question, elle va être très terre à terre. C'est plus par rapport, on disait, finalement, tout le monde peut aller en thérapie, tout le monde va en thérapie, mais moi, il me semble que non, tout le monde ne peut pas aller en thérapie. Je parlerai de l'aspect financier. Je vous envoie, après le Covid, ont été mis en place un système de 8 séances, si c'est donné par le médecin traitant, et en plus, avec un certain nombre de psys qui acceptent de le faire. Et donc... voilà, la question, c'est est-ce que vous pensez peut-être qu'un jour ce sera remboursé comme un psychiatre, mais les psychiatres ne peuvent pas non plus recevoir tout le monde. Hein, voilà. Donc, justement, dans la série, on voit que c'est quelque chose qui est abordé sans être abordé. Enfin, il n'y a jamais le montant qui est donné. Enfin, voilà, je vais parler de mon expérience. Je suis allée des fois à des séances où c'est ça vous coûtera tant, est-ce que ça vous va ? Je peux choisir le montant. Enfin, voilà, il y avait des fois, je suis arrivée comme ça. Donc voilà, on voit les adolescents, les enfants qui peuvent donner un jouet. Enfin voilà, il y a l'aspect un peu voilà financier qui est
un peu, je pense, compliqué. Voilà, donc quand on parle de tout le monde l'accès à la thérapie, mais non, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Donc voilà. Et comment est-ce que c'est pris pour le futur, justement, vu? Non, mais il y a plusieurs. Alors, je vous laisserai répondre car vous êtes le spécialiste. Mais enfin, à ma connaissance, il y a plusieurs façons de faire. Et le ça vous va, moi, me paraît pas si bizarre. Effectivement, je connais des thérapeutes qui, selon les capacités financières de leurs clients, s'adaptent. Et je ne trouve pas ça choquant. Et à part ça, l'histoire de l'argent, elle est évidemment capitale dans l'échange qui se fait. Et bon, bref, ça, je vous laisserai répondre. Mais, et il y a aussi des tas de centres, quand même, où les thérapies sont remboursées, ou notamment, enfin, voilà, ça existe quand même de plus en plus. C'est une question qui se prend par plusieurs bouts. D'une part, dans la logique, on va dire, des politiques de santé, non, tout le monde ne peut pas aller en thérapie parce que l'idée, c'est quand même de les supprimer. C'est quand même, il n'y a pas de place pour ça. Je veux dire, si vous travaillez en institution, vous voyez comment ce sont des considérations économiques qui font qu'on garde quelqu'un quelques jours... et qu'on va l'envoyer ailleurs, comment on déplace le personnel sans tenir compte des relations de transfert qui existent, parce que l'idée qu'on a, c'est que si on est là, c'est parce qu'on est malade et qu'il y a des traitements qui doivent être efficaces, on mesurera l'efficacité à la sortie des gens. Je crois pas plus tard que ce matin, un psychiatre me disait qu'il avait essayé d'envoyer quelqu'un dans des urgences dans tel hôpital, mais l'hôpital n'est plus un asile. On peut même plus mettre quelqu'un là en espérant qu'il reçoive quelqu'un. Donc ici, on est vraiment une exception de gens qui ont l'idée que cette dimension singulière de la parole, ça vaudrait le coup de cultiver ça. Donc c'est déjà une difficulté. Ce n'est pas ce niveau que vous l'avez posé. Après, il y a la question de l'argent. Vous savez qu'il y a une coordination psy dans l'Occitanie, par exemple, mais qui accompagne un mouvement national de protestation contre tout ce qui est fait sur le plan législatif pour inclure la psychologie clinique dans le champ de la santé mentale. Parce que c'est une conception du fonctionnement mental. Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de psychologues cliniciens refusent le dispositif Mon Psy qui fixe un nombre de séances. Évidemment, là, ça pourrait être le calibrage, mais ça n'a rien à voir avec ça. Bon, on va bien. Et d'autre part, qui fixe des tarifs remboursés et qui fait que les gens viennent là sur indication d'un médecin. Bon, là, je pourrais vous raconter l'histoire de la psychologie clinique, comment on l'a inventée et comment on l'a subordonnée à la médecine, parce que les médecins ont considéré que les psychologues faisaient un exercice illégal de la médecine, alors qu'ils ont été inventés pendant et après la guerre pour traiter précisément les traumatismes, les gens qui souffraient de traumatismes non organiques. Mais c'était trop pour la médecine, sans doute, il y a eu des procès, etc. Alors, ma position personnelle sur ça, c'est que quand même, aujourd'hui, quand vous vous installez comme psy, ben, il n'y a personne qui vient chez vous, hein. Tout le monde peut y aller, mais tout le monde n'y va pas, de fait. Et quand quelqu'un vient, si vous pouvez offrir un dispositif de remboursement, ce que les psychiatres peuvent faire naturellement, puisqu'ils vont, et on le leur reproche assez, pouvoir assurer un certain nombre de séances remboursées, quelquefois, pas parce qu'ils trichent, mais parce que ça peut permettre à un sujet qui est complètement en déshérence de se fixer, et puis quand il peut s'installer, ben, il va prendre à sa charge le traitement. Quand même, les psys, c'est une sacrée économie pour la sécurité sociale, hein, de ce point de vue-là, puisque c'est les gens qui payent. Mais ça suppose, en effet, que le prix passe entre deux contraintes. Ne pas s'étrangler. Il ne faut pas aller mourir de faim pour pouvoir faire son analyse, bon, en principe. Mais l'autre, c'est de ne pas dévaloriser ce qu'on fait. Alors la difficulté, c'est de ne pas se laisser entraîner
sur les valeurs marchandes. Donc quand on discute du prix avec un psy, c'est pas un échange commercial. On paie d'ailleurs pour rien lui devoir. C'est-à-dire que s'il y a des questions de dette qui viennent en jeu, elles ne sont pas de cet ordre-là. Ce sont les dettes qu'on a, comme le dit... qui c'est qui dit ça? C'est peut-être Dayan qui dit à quelqu'un, on a reçu le nom de son père, c'est tout ce qu'il peut nous donner, cette dette-là, on ne peut pas la payer. Quelque chose qu'il me semble avoir retenu. C'est le dernier épisode, je crois. Hein, je crois que c'est le dernier épisode avec sa superviseuse. Ah oui, c'est peut-être dans l'épisode avec sa superviseuse, oui. Donc voilà, je ne vous réponds pas, mais c'est un vrai chantier, ça, ces questions. Je crois qu'il y a une revue que je connais de près, qui s'appelle Psychanalyse et Yétu, qui a consacré son numéro 49, je crois, qui est publié chez RS, je vais faire de la pub à la question de l'argent. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou intervention? Oui. Alors, très court, est-ce qu'il y aura une saison 3? Vous pouvez peut-être pas répondre, je sais pas. Non, mais enfin, pas à ma connaissance. Il n'existe pas de saison 3 israélienne et la saison 3 américaine n'était pas très concluante. Donc, voilà. Bon. Dommage. On peut prendre, je pense, encore une question ou deux, sans problème. Pas de saison 3. Et plus de questions. Bon, vous voulez rajouter quelque chose? J'ai vu que vous aviez pris des notes. Non, tout à l'heure, ma collègue là-bas que je connais, Sophie Léo, est intervenue sur la question du bonheur, je pensais qu'il y avait des économistes du bonheur qui vont vous expliquer, en cochant des cases, même si vous êtes triste comme un lapin qui pleure, que, mais si, vous êtes heureux, la preuve. Bon, c'est ça le gros problème. Mais parce qu'on fonctionne sur des critères d'objectivité où on va vous définir ce qu'est le bonheur pour tous. Mais le bonheur pour tous, c'est pas celui pour chacun. C'est tout, moi, c'est pas... On finira pour ces mots-là. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre écoute active. Je vous donne rendez-vous en décembre pour le dernier rendez-vous de l'actu de l'année. On se consacrera à la presse indépendante dans la région. Voilà. Donc à suivre. Merci, au revoir.